Alors, essai d'une Shadow 600 de 1998. On va tester. Première fois sur un custom. Et on va chez Harley en plus. Là, j'ai jamais roulé sur un custom. Et j'ai jamais roulé sur une moto aussi vieille. Ça va être fun. Alors, putain, la selle est super basse. J'ai passé la 2, tout va bien. Putain, les rétros, je ne vois strictement rien. Pour trouver le sélecteur, c'est ultra chaud. Et il pleut. Voilà, nickel. Sur une moto que tu connais pas, avec une position que tu connais pas, sous la flotte. En tout cas, c'est pot d'échappement. Je crois qu'ils sont en échappement libre, c'est assez fun. Alors le frein, effectivement, putain, ça freine pas grand chose quand même. Hein. Il m'a dit que ce qui freinait plus c'était le tambour, et le tambour il freine que dalle. Cette position, j'ai l'impression de pas pouvoir serrer le réservoir. Alors j'ai passé ma conduite il n'y a pas longtemps sur une MT. Bien, je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir. J'ai encore mon clignot. Le sélecteur, il est loin. Putain, ouais, ça freine. Juste pas. J'ai pas trouvé les freins en fait. Ça freine pas grand-chose. On va anticiper hein. Non, mais attention quand même. Ouais. Il n'y a pas de rapport engagé. Le compteur c'est le minimum vertical, c'est-à-dire un rayon de neutre, un clignot, un plein phare. Un rayon d'essence, d'huile, et pas ça. Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est que bon, alors déjà j'ai les bras ultra écartés, je fais drapeau. Et en plus, mon pied gauche est pété, du coup ça glisse un peu. Et surtout, j'arrive pas à serrer les cuisses sur le réservoir en fait. Je suis bien assis, mais j'arrive pas à serrer les jambes, c'est un peu troublant.
alors c'est là où on va regarder un peu ce que ça donne. Ah putain, en fait, ça freinait pas, c'est parce que... En fait, j'étais à 200 km du... Oh putain, ça pétarade dans tous les sens. Pétarade de décélération, c'est assez fun. Je vais vous le rappeler, hein. Bam 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 bam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a vraiment pas de catalyseur. Et tout ce monde en virage. Pas de catalyseur, je crois qu'il n'y a plus de chicane. En fait, son frein arrière, il marche, mais il est très très loin, en fait. Putain, elle est pétarade, c'est un truc de dingue. Un peu la visière histoire de voir quelque chose. C'est à gauche là, non? Ouais, c'est à gauche. Ça pète, c'est un truc de malade. En fait, le frein, attends, c'est le frein arrière, il faut avoir le pied dans une position complètement pas naturelle pour pouvoir freiner avec. C'est un peu chelou. Attention avec ton gros camion, toi. L'avantage, c'est que les mecs ici, je pense qu'ils m'entendent.